Nous ne pouvons pas arrêter d'intercéder, nous ne pouvons pas arrêter de prier. If you look at Colossians 4:2, si vous regardez Colossiens 4, 2, Colossians 4, 2, Colossiens chapitre 4, verset 2, the Bible talks about the fact that la Bible parle du fait que we have to continue in prayer, nous devons continuer dans la prière and watching with thanksgiving, with thanksgiving. Et y veiller avec action de grâce. These are three weapons that are critical. Voici trois armes qui sont cruciales in the times we live in. Dans les temps où nous vivons. We have to continue. We can't stop. Nous devons continuer, nous ne pouvons pas arrêter. We can't hold back. Nous ne pouvons pas nous retenir. We can't relax. Nous ne pouvons pas nous relaxer. He said, continue in prayer. Il a dit persévérer dans la prière. And then he said, in watching. Et ensuite il a dit veillez-y. And watching here, veillez ici. Has everything to do with staying awake. Est en rapport avec le fait de rester éveillé. Being alert and staying or being awake. De rester en alerte, d'être éveillé. When others are asleep. Quand les autres sont endormis. That is the meaning of that word watch here. Voici la signification de ce mot veiller ici. It means stay awake. Ça veut dire rester éveillé. When others are asleep. Quand les autres sont endormis. Somebody say, stay awake. Quelqu'un dit reste éveillé. When others are asleep. Quand les autres sont endormis. And it takes a lot of efforts. Et ça demande beaucoup d'efforts. It takes a lot of grace. Ça demande beaucoup de grâce. It takes a lot of determination. Ça demande beaucoup de détermination. Being purposeful, deliberate. D'avoir un but délibérément. Stay awake. De rester éveillé. When others are asleep. Quand les autres sont endormis. Because the common thing to do. Parce que la chose normale à faire. Is to sleep when everybody is sleeping. C'est de dormir quand tout le monde dort. But the Bible said. Continue in prayer. Mais la Bible dit persévérer dans la prière. What does that mean? That means pray when others are asleep. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire prie lorsque les autres dorment. And add to prayer and watching thanksgiving. Ajoute à la prière la veillée et l'action de grâce. Be grateful. Have an attitude of gratitude. Sois reconnaissant. Aie une attitude reconnaissante. Don't be a complainer. Ne sois pas quelqu'un qui se plaint. Don't be critical. Ne sois pas une critique. Of things, of yourself. De choses, de toi-même. Of others and of life. Des autres et de la vie. Be thankful. Sois reconnaissant. Have an attitude of gratitude. Aie une attitude reconnaissante. Be grateful. Be grateful. Where is Ife? Sois reconnaissant. Be grateful. We must learn to be grateful. Nous devons apprendre à être reconnaissant. Irrespective. Of the difficulties and the challenges confronting us. Peu importe les difficultés et les défis confrontés à nous. Let's learn to be grateful. Being alive is a blessing. Apprenons à être reconnaissant. Être en vie est une bonne chose, est une grande chose. You know, I was talking to somebody the other day and they lost a loved one. Je parlais à quelqu'un l'autre jour. Ils ont perdu quelqu'un de cher. And I was asking, when are they having the funeral? Et je demandais quand est-ce qu'ils feront les funérailles. And they said that he's been cremated. Et ils m'ont dit que la personne a été incinérée. And in some kind of a container. Et ils l'ont mis dans un pot. The person has been turned into dust. La personne a été changée en poussière. And in a container. Can you believe that? A whole human being. Et la personne est maintenant dans un pot. Tout un être humain. Est-ce que vous y croyez? And if you look at that, et quand vous regardez cela, it speaks volumes. Ça en dit beaucoup. Ça nous emmène à un autre message dont je vais parler. Being void of self. Être dépourvu de soi. And ego. Because if you understand what man really is. Et d'ego. Parce que si vous comprenez ce qu'est vraiment l'homme. And the end of man, et la fin de l'homme. This attitude of arrogance, être arrogant. Pride, you throw it away. L'orgueil. This thing about wanting to be seen, wanting to be recognized. Le fait de vouloir toujours être vu, reconnu. Seeking for relevance. Cherchant à être pertinent. Attention. All those things don't matter anymore. L'attention, toutes ces choses n'ont plus d'importance. And the person I'm talking about was some very, very important person. Et la personne dont je parlais était une personne très, très importante. In a container,
dans un pot changé en cendre. When you think about such things, quand vous pensez à ce genre de choses, it's very humbling. Ça te rend humble. So you live with a lot of humility, an attitude of humility. Alors tu vis avec beaucoup d'humilité. We want to deal with seals. Nous voulons traiter du sujet du sceau. We want to deal with seals. Nous voulons traiter avec les sceaux. And what seals represent. Et ce que les sceaux représentent. Because seals represent a sign of authority. Parce que les sceaux représentent l'autorité. Or a symbol of authority. Ou un symbole d'autorité. Seals stands for the signature. Le sceau représente la signature. Of monarchs, king. Des monarques, des rois. And sitting authorities or presidents. L'autorité des villes ou des présidents. Or even fathers and grandfathers. Ou même des pères et des grands-pères. Very powerful people. Des gens puissants. And every family. Et toute famille. Deals with seals. A un sceau. Or we have all kinds of symbols. Où nous avons toutes sortes de symboles. Of individual family. De familles individuelles. There are families where the symbol of that family is a snake. Il y a des familles où le symbole c'est un serpent. Some families the symbol is a lion. Certaines familles le symbole c'est un lion. Others is a cat, crocodile, different kinds of animals. D'autres c'est un chat, un crocodile, toutes sortes d'animaux. And those are the symbols. Et ce sont des symboles that defines that family. Qui définissent ces familles. But you need to look at the character of the symbols or the animals. Tu dois regarder le caractère du symbole de l'animal. What those symbols represent. Qu'est-ce que ces symboles représentent? When it comes to the particular animals. Lorsqu'il s'agit d'un animal en particulier. Then you can appreciate and understand the power that is at work. Afin de comprendre le pouvoir qui est à l'œuvre. If you like the Bible talks about. Comme la Bible parle de. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. That particular tribe or family. Cette tribu particulière ou cette famille. The symbol of that family is a lion. Le symbole de cette famille, c'est un lion. And it's the lion of the tribe of Judah. Et c'est le lion de la tribu de Judas. And a lion is the king of the jungle. Et le lion est le roi de la jungle. There are different kinds of symbols. Il y a différents types de symboles. And every family here, represented here, hearing the sound of my voice. Et toute famille ici, écoutant le son de ma voix. There are symbols of each family. Il y a des symboles de chaque famille. Which are the seals of the family. Qui sont les sceaux de ces familles. So for instance, you will see I have a seal as an archbishop. Par exemple, vous verrez que j'ai un sceau en tant qu'archevêque. And when we consecrate pastors and bishops. Et lorsqu'on consacre les pasteurs et les évêques, I put my seal on their certificate, je mets mon sceau sur leur certificat. And that gives it the authorization, you know, with my seal upon it. Et ça leur donne l'autorisation avec mon sceau là-dessus. That is legitimate. It's real. Que c'est légitime, c'est réel. It is what it is. It cannot be changed. C'est ça, et ça ne peut pas être changé. And it takes me or a higher authority. Et il faudrait une autorité supérieure to revoke that seal based on the terms or conditions pour révoquer ce sceau basé sur les conditions of the seal upon that particular document. Et les termes de ce sceau sur ce document. So seals are very powerful. Alors les sceaux sont très puissants. And we want to look at some few examples in the Bible. Et nous voulons regarder quelques exemples dans la Bible. And begin to believe God. Commencer à croire en Dieu. That through the superior blood of Jesus. Qu'à travers le sang supérieur de Jésus. And by the workings of the Holy Spirit. Et par les œuvres du Saint-Esprit. We'll be able to override and overturn. Nous serons en mesure de renverser et de contourner. Seals, family seals. Les sceaux de famille. That has held the destinies and the dreams. Qui a gardé les destinées et les rêves. And the visions of so many at ransom. Et les visions de tellement de personnes. And until the seal is. Et jusqu'à ce que le sceau. Repealed or revoked. Soit révoqué. By a higher authority. Par une autorité supérieure. You become a slave. Tu deviens un esclave. Under
the power of that seal. Sous la puissance de ce sceau. That until it is replaced. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Or repealed or dealt with, you are held captive. Tu es tenu captif. But tonight. Mais ce soir. Whatever you are, whoever you are, whatever you represent. Peu importe où tu es, qui que tu sois, quel que soit ce que tu représentes. On the account of the superior blood of the lamb. Au compte du sang supérieur de l'agneau. The blood that is superior to any seal or blood. Le sang qui est supérieur à n'importe quel sceau ou n'importe quel sang. In the name of Jesus, I proclaim tonight. Au nom de Jésus, je proclame ce soir. Be acquitted and discharged. Sois acquitté et relâché. Tonight, let your family be acquitted and discharged. Ce soir, que ta famille soit acquittée et relâchée. Let sons, let daughters. Que les fils, que les filles. Be acquitted and discharged. Sois acquitté et relâché. Please be seated. Prenez place. And seals have everything to also do with foundations. Les sceaux sont aussi en rapport avec les fondements and background. Et les racines. Because it has to do with the authority figure. C'est un rapport avec la figure d'autorité. Of the family. It's a symbol of authority. De la famille, c'est un symbole d'autorité. So, there is a seal in the family I come from. Alors, il y a un sceau dans la famille de laquelle je viens. My father, was a local chief. Mon père était un chef local. And, sometimes, if you look at even nations, like, et souvent, même si vous regardez à des nations, the nation of Egypt, comme la nation d'Égypte, when the pharaohs wear their crown, lorsque les pharaons portent leur couronne, you will see the symbol on their crown is a snake. Vous verrez que le symbole sur leur couronne est un serpent. And that's why when Moses went into the wilderness, et c'est là où Moïse est allé dans le désert, and met the Lord at the burning bush, et il a rencontré le Seigneur au buisson ardent, and God assigned him, et Dieu lui a donné la mission to go back to Egypt. To free the children of Israel. De retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. God said to him, what do you have in your hand? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? He said, a rod. And he said, cast the rod down. Il a dit, un bâton, ma verge. Et Dieu lui a dit, jette le bâton par terre. And when he cast the rod down, he became a snake. Et lorsqu'il a jeté son bâton au sol, il est devenu un serpent. And the Lord said, you must confront the power of Egypt. Et le Seigneur lui a dit qu'il doit faire face au pouvoir d'Égypte. You must confront what you fear the most. Tu dois faire face à ce qui te fait le plus peur. You must confront. Tu dois faire face. The signature of the pharaohs of Egypt. La signature des pharaons d'Égypte. You must confront the authority. Tu dois faire face aux autorités. That backs. Qui soutiennent. The decrees and the laws of the king of Egypt. Les décrets et les lois du roi d'Égypte. And that authority is a snake. Et cette autorité est un serpent. So in order for you to go in there. And set my people free. Afin que tu puisses y aller pour délivrer mon peuple, I want you to confront it now. Je veux que tu y fasses face maintenant. In my presence, in the wilderness. En ma présence, dans le désert. So the rod became a snake, and he said, "Take it by the tail." Alors le bâton est devenu un serpent, et il lui a dit, "Prends-le par la queue." And you don't take a snake by the tail. Et on ne prend pas un serpent par la queue. It's a very, very foolish thing to do. C'est une grande bêtise. Because it will just turn the head and come right for you. Parce qu'il va juste tourner sa tête et venir directement vers toi. And God said, face your fear. Et Dieu lui a dit, fais face à ta peur. Because you can't conquer what you don't confront. Parce que tu ne peux pas avoir la victoire sur ce que tu ne confrontes pas. And he said, I want you to confront your fears. Je veux que tu sois confronté à tes peurs. So he had to deal with the snake. Alors il devait faire face au serpent. The power of Egypt, the symbol of authority. Le pouvoir d'Égypte, le symbole d'autorité. The seal of Egypt, he said, deal with it. Le sceau d'Égypte, il a dit, fais face à cela. And when he went into Egypt, he had the rod of God in his hands. Et quand il est allé en Égypte, il avait le bâton de Dieu dans sa main. And he cast the rod of God down. Et il a jeté le bâton de Dieu au sol. And he became a snake, another authority. Et c'est devenu un serpent, une autre autorité. And then the magicians of Egypt came. Et alors les magiciens d'Égypte sont venus. And said, we are used to this. Et ils ont dit, nous sommes habitués à ça. This is our signature. Ça, c'est notre signature. We can handle this. Nous pouvons faire face à cela. So they also came. Alors ils sont venus eux aussi. And they also produced snakes. Et ils ont aussi produit des serpents. And the Bible said that
Et la Bible dit que Moses's rod or snake, le bâton de Moïse ou le serpent de Moïse swallowed up, a avalé that of the snakes of Egypt or the magicians of Egypt, celui des magiciens d'Égypte. I declare that tonight, je déclare que ce soir, on the account of the superior blood of Jesus, par le sang supérieur de Jésus, let every symbol and signature and seal and snake, que tout symbole, toute signature, tout sceau, tout serpent confronting us from our background, qui se confronte à moi, be swallowed up, soit avalé, swallowed up by the blood of Jesus, avalé par le sang de Jésus, swallowed up by the rod of the Lord, avalé par le bâton de Dieu, swallowed up by the word of the Lord, avalé par la parole de Dieu, swallowed up by the spirit of the Lord, avalé par l'esprit de Dieu. Please be seated. Prenez place. The symbol of authority, le symbole d'autorité, or the seal or signature of Egypt, ou le sceau, la signature d'Égypte, was a serpent. And nations, if you look at the symbol of Ghana, était un serpent. Si vous regardez les symboles du Ghana, if you look at Ghana, you go to the office of the president. Si vous regardez le Ghana, si vous allez dans le bureau du président, or you go to the office of authorities in this country, ou si vous allez dans les bureaux des autorités de ce pays, you will see the signature or the symbol, vous verrez la signature ou les symboles of the, that which represent this country, ou ceux qui représentent leur pays. It's in the form of an eagle. C'est sous la forme d'un aigle. And he speaks and he says something. Et ça parle, ça dit quelque chose. Tells you what we believe in and the spirit and the authority that backs us as a nation. Ça vous dit ce en quoi nous croyons et l'esprit qui soutient notre nation. And so many nations, you see symbols. Et dans tellement de nations, vous verrez des symboles. And they are not just there, they speak to something. Et ils ne sont pas tout simplement là, ils parlent à quelque chose. They represent something. Yeah, it's the power or the spirit behind it. Ils représentent quelque chose, la puissance de l'esprit derrière cela. Let's look at something. Regardons quelque chose. Matthew 27 and verse 66. Matthieu 27, verset 66. So they went and made the sepulchre sure. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Sealing the stone. Après avoir scellé la pierre. And setting a watch. They sealed the stone. Ils ont scellé la pierre. With the king's seal, representing the authority of Rome. Avec le sceau du roi, représentant l'autorité de Rome. With that seal, avec ce sceau, upon the tomb of the Lord Jesus Christ, sur la tombe du Seigneur Jésus-Christ, it was very clear that nobody in the land of Egypt, c'était très clair que personne sur cette terre, and no one anywhere in the world, personne dans le monde entier, could touch that tomb and open it for the Lord to come out, pouvait toucher cette tombe et l'ouvrir afin que le Seigneur puisse sortir. Unless Rome intervened, authority must come from the empire of Rome. À moins que Rome intervienne, l'autorité devait venir de l'empire de Rome. Because that seal represented the authority, parce que ce sceau représentait l'autorité of the empire of Rome, de l'empire de Rome. So it took a higher authority. Alors, il fallait une autorité supérieure. An angel of the Lord, un ange de l'éternel, stepped out of eternity into time, est sorti de l'éternité pour rentrer dans notre temps. And the Holy Ghost descended. Oh, thank you, Jesus, for the Holy Ghost. Et le Saint-Esprit est descendu. Oh, merci Jésus pour le Saint-Esprit. Somebody put your hands together for the Holy Ghost. Que quelqu'un acclame pour le Saint-Esprit. The Holy Ghost came down. Le Saint-Esprit est descendu. And the angel of the Lord came down and the seal broke. L'ange de l'Éternel est descendu et le sceau s'est brisé. And the angel, look at the next verse. Et l'ange, regardez le verset suivant. The next verse. And behold, there was a great earthquake. Yeah. For the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Verset 2 du chapitre 28. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Let the angel of the Lord, que l'ange de l'Éternel, roll back every stone, roule toutes les pierres. We roll back every difficult situation. Nous roulons toutes les situations difficiles. You know what a stone stands for? Vous connaissez la signification de la pierre. A stone stands for a hard
a stubborn and a difficult situation. La pierre représente une situation difficile et entêtée. Because the nation of Israel, parce que la nation d'Israël was under the authority of Rome, était sous l'autorité de Rome, and the Empire of Rome et l'Empire de Rome. So it required a higher authority. Alors il fallait une autorité supérieure. One that was above. Une qui était au-dessus de cette autorité. C'est pour cela que les pères sont très, très importants. Parce que quand Jacob a maudit Moïse, Genèse 49, à partir du verset 1 à 3, where Reuben dishonored his father. Quelque chose de très étrange s'est produit lorsque Reuben a déshonoré son père. And went for his father's concubine. Et il est allé vers la concubine de son père. And the old man said, et le vieil homme n'a rien dit. When it was time for him, bless the children and depart from the earth. Quand c'était le moment pour lui de bénir ses enfants et quitter cette terre. By pronouncement and words. Par la prononciation de mots. That is what the c'est ce qui manque à cette génération. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 2. C'est-à-dire, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Beaucoup de gens meurent prématurément parce qu'ils ne comprennent pas cette loi qui est ici. Si tu veux vivre longtemps, ce n'est pas une question de jeûne et de prière. C'est une question d'honorer ton père et ta mère. Il y a quelque chose là qui garantit une longue vie et qui te fait accomplir de grandes choses dans la vie.